Et salut à tous, salut chers amis aventuriers, comment ça va ce soir? Et salut à tous, coucou! Salut! Ravi de vous retrouver, hein, comme d'habitude, pour cette suite du château de Balafre. Le château de Balafre, où il se passe, ma foi, plein de choses. Comme dit notre ami Aes Dragon, on s'imagine pas qu'il y a autant de monde dans un château hanté comme ça. Hein. Autant de créatures aussi diverses et variées. Eh ben si! Et encore, vous n'avez pas tout vu, c'est que le début, comme disent les jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé, mon bon Zazu, la dernière fois? Passé quelques petites choses, quand même. Ouais, deux, trois petites choses. Alors, nous inspectons la terrasse et découvrons au nord une porte totalement bloquée, cimentée par la transmutation en pierre. Nous finissons par descendre dans la cour avec une corde et combattons une plante carnivore sortant du puits. Heureusement, Laori était là avec ses sorts de feu. La porte principale menant à l'église au nord est elle aussi transmutée. Et après avoir essayé de forcer la porte pendant 10 minutes, nous abandonnons l'idée et trouvons une porte ouverte en contrebas. À peine entrée, un nouveau combat contre des vers ténébreux s'engage. Le combat est très pénible, les vers explosent en mourant, pétrifiant leur bourreau. Nous en parvenons tout de même à bout, mais pas sans égratignure. Effectivement, vous avez pour l'instant Laori et Iki qui sont encore paralysés. Fais-moi encore. Pétrificationné. Ils sont paralysés. Ils sont paralysés. Ils sont pas pétrifiés. Ils sont paralysés. Est-ce que tu peux me refaire un jet de vigueur, s'il te plaît, mon bon Iki? C'est parti. Allez. Bam! Ok, est-ce que tu peux en refaire un deuxième? Un deuxième 20, pas de problème. Un deuxième jet déjà. Allez, 20. Ok. Tu es donc guéri de cette paralysie. Je vais faire la Allez même mieux chose avec. ici? Oui, je vais mieux. Tout a l'air de fonctionner. Des vraies saloperies, ces machins. Faut quasiment les expulser avant de les tuer, hein. À distance, c'est mieux. Mais Laori a l'air mal en point. Effectivement. Et bam. Alors. Vous voyez que Laori, pour l'instant, elle galère. Elle est toujours paralysée. Et Lerina, vous avez pas quelque chose pour elle? Si, justement, c'est le sort restauration ou restauration partielle? C'est toi qui vois. Pour l'instant, en tout cas, elle est encore, vous la voyez, un peu en mode crise d'épilepsie presque. J'y connais rien, Laori. Laori, Elirina. Je vous fais confiance. Allez, je lance restauration partielle. Fait des jets dégueulasses. Ton sort de restauration partielle ne lui guérit pas sa paralysie. Par contre, ça lui guérit des dégâts de constitution. D'accord, un des quatre, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me faire un des quatre? Ça lui guérit un point de constitution. Que la restauration partielle, c'est pas toutes les caracs. Et tu vois que le poison semble continuer de faire effet. Oh. Elle a fait combien? Elle a fait 3. Elle est touchée où? Parce que moi, je peux amputer sinon. Donc ça se propage. Vous la voyez perdre. Bientôt connaissance. Vous voyez qu'elle de temps en temps elle a le visage qui tombe un peu. Continuez, Elena, je crois que tout de même ça l'aide, même si avec le même sort du coup, ou je tente restauration sinon. Je sais pas. Faites vos sorts là qui guérissent là, ceux qui soignent là, ceux qui enlèvent les maladies.
Elle se décompose à vue d'œil. Ilyrina, dépêchez-vous. Au moment où tu fais le soin, elle était en train de tomber dans les pommes, dans les vapes complètement. Tu lui saignes 24 points de dégâts, ce qui est très bien. Hop. On est à 5 rounds. Ok. Elle va faire un dernier jet. Aucun non, effort. Quel aucun enfer. Effort. Le GM veut tuer notre PNJ. il veut pas jouer ce soir, il veut pas jouer avec nous, il veut pas jouer, hein, c'est comme ça. Voilà. Elle n'est plus paralysée. En revanche, elle est faible. Mais faible, c'est un faible mot. Vas-y, dis-nous combien elle a de cartes de constitution. Elle a perdu 7 points de constitution. Ça va, elle est pas morte. Non. Mais bon. Allez, en partant du bas, qu'elle a peut-être 14. Allez, elle est pas bien, quoi. Elle est pas au top. Elle est pas au top. Et le truc, en fait, c'est que plus elle perdait en constitution, plus ses jets de vigueur devenaient compliqués. Ah oui, bah oui. Donc, ça n'a pas aidé. Voilà. Donc, elle est avec vous. Elle est de nouveau sur pied, mais... Ah oui, elle avait plus 10, après plus 9 et plus 8. C'est ça. Elle te regarde, Elena dit, vous auriez pas quelque sorte de restauration là, tout court, pour enlever ces saloperies là? Si je vous en lance un. Ça serait vraiment chouette. Alors, restauration, ça annule totalement une carac, la pénalité d'une carac, ça. C'est ça. Alors, c'est différent. Non, c'est, ça guérit tous les affaiblissements temporaires de caractéristiques, quels qu'ils soient, et ça restaure entièrement une caractéristique pour les tout ce qui est diminution permanente. Mm-hmm. Donc il y a deux trucs okay. différents. Ouais, c'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux, ouais, voilà. Moi, j'ai un malus de 4 en constitution. Ça saute avec... Ouais, si c'est malus, enfin si c'est affaiblissement dans malus, là, ouais, c'est ça. Non, moi c'est marqué affaiblissement 0 et à côté MAL, j'ai pas mal pour. Ouais, en fait, c'est la traduction en français qui est mal. Ah, d'accord. Qui est mal baisée. Mais mal, c'est affaiblissement en gros. Okay. Enfin, c'est temporaire. Et en fait, au milieu, c'est temporaire, à droite, c'est permanent. C'est voilà, aussi simple d'accord. que ça. Donc toi, tu as effectivement une diminution de 4 points. De 4 points, oui. Donc elle récupère ses points. Hop. Au passage, vous la voyez reprendre des couleurs. Tu penses, Elena, que tu lui as soigné des dégâts de charisme qu'elle avait pris, tu sais plus quand. D'accord. Après, oui, j'ai du mal à différencier restauration et restauration partielle. Restauration partielle, donc c'est. On va faire un petit truc. Donc tu as deux types de dégâts sur les caractéristiques, les temporaires et les permanents. Ok. Restauration partielle, ça ne peut pas soigner les dégâts permanents. Ça ne peut soigner que les dégâts temporaires. Okay. D'accord. Et surtout, ça n'en soigne pas beaucoup, ça soigne que 1 des 4. Donc entre 1 et 4 points de dégâts de caractéristiques. Alors que la restauration normale soigne tous les dégâts temporaire et une caractéristique de dégâts permanents, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, la Ori, si elle avait par exemple 6 points de dégâts permanents en constitution et qu'elle avait 2 points de dégâts en dextérité temporaire et en intelligence temporaire aussi, bah, tu aurais pu tout lui soigner avec un seul sort de restauration. D'accord. Voilà. Par contre, si tu avais fait une restauration partielle, tu aurais pu lui soigner un des 4 de dextérité ou d'intelligence. Ce qui n'est pas énorme. Oui. Donc, j'allais dire tout le monde va mieux, mais du coup, il faut... Non, Iki va pas mieux encore. Oui, je suis un peu plus faible. Mm-hmm.
Donc, en l'occurrence, lui... Je lance restauration, du coup. Bah, lui, une partielle, ça suffirait presque. Une partielle presque. Pourrait... Ouais, faut faire 4 sur le dé. Tu veux faire une partielle, plutôt? Oui. Allez, je te remets un point. Restauration... Ok. Est-ce que tu peux me faire un D4 du coup, s'il te plaît, ou appuyer sur le petit D4 qui est dans la description. 2. Et ben voilà. Tu es soigné de 2 points de consti. Je vais mieux. Je me sens mieux. Merci. Tu vas un peu mieux. Il est là. Mais sinon, c'est quoi? C'est un point de carrière. Ah. On t'entend plus. Vas-y. Allô, allô. Ah, c'est bon, on t'entend. Ouais, je disais, sinon, c'est un point par jour de restaurer quand c'est dit partiel. C'est ça. À chaque repos long, vous regagnez un point de constitution. Ça marche. Voilà. Bon, si tout le monde va mieux, je crois que Kaito a pris quelques dégâts aussi. Kaito, ça va ? Ça va, ça va. D'ailleurs, Iki n'est plus invisible, ça y est. Il était invisible ? Kaito. My bad. Déjà ? Et ouais, c'est que 12 rounds, hein. Ça fait une minute et quelques. En combat, c'est long, 12 rounds, mais hors combat... C'est pas long. C'est plus très long, ouais. Il fait assez sombre dans la pièce, de toute façon. Oui, tout à fait. La porte est ouverte. Vous voyez pas grand chose, ouais. La porte est ouverte, du coup, vous voyez la cour et tout. Faites-moi un petit jet de perception, ceux qui le souhaitent. Enfin, même tout le monde. Vous savez qu'il y avait un cocon qui était à droite. Oui, tout à fait, ici sur la droite. Qui lui était pas mort. Cela doit faire pas mal de temps, personne n'est passé par ici, si ça se trouve on sera plus au calme. Bah, ça commence mal déjà, mais... Enzaru et Elerina, vous entendez comme un... Enfin, vous entendez, vous ressentez comme un petit tremblement périodique. Toutes les 2-3 secondes. Mais... Comme un petit tremblement de terre, tu vois. Ouais, ça vient pas du cocon, enfin... Non, ça semble pas venir du cocon, mais ça semble venir du bas, quoi, par là. Enfin, c'est dur à estimer, mais... Ouais, de la cour, peut-être, non ? Peut-être de la cour. De toute façon, on est rentré ici, on va continuer à explorer. Je vais m'approcher prudemment de... Du cocon. Ouais. Il y a une serrure à la porte. La porte du bas? Ouais. Elle est ouverte. Ah, elle est ouverte. C'est juste que c'est une autre carte, donc ça donne sur la cour. Je sais pas si tu te souviens la cour de la dernière fois. Oui, je me souviens, je vois où est-ce qu'elle est, mais bon. Aussi. Et voir si on peut passer sans encombre. Au moment où tu t'approches un petit peu du cocon, Elerina, tu as un genre de pressentiment grâce à ton assez bon jet de perception. Tu te retournes vers la cour et tu vois passer par la porte qui était entrebâillée, qui donnait sur l'écurie. Hein, tu vois passer une tête monstrueuse, énormissime. Désolé, de cette créature. Alors, je vois cette tête passer par la porte du bas, là, ici, là. D'accord. Et tu entends un genre de ronflement. Ah,
il y a le dragon aux écuries. Le dragon. Ok. Je tends. Je me cache et je passe juste à un œil pour vérifier si j'ai un visuel dessus. Mets-lui une balle dans l'œil. Attends. Le jeu est en pause. Hop, c'est bon, je suis en pause. Voilà. Vous le voyez dépasser le bout du nez. Il a le museau qui dépasse de la porte et à peine plus quoi. Ça a du mal à passer. Il semble renifler. On a fait un peu de bruit aussi, on n'est pas très loin. Que fait-on, compagnon ? Pour le prendre par surprise. Pas dans cette situation-là, effectivement. Partons sur la pointe des pieds, faisons attention et éloignons-nous. Je ne sais pas si on peut prendre cette créature par... Saute un peu ton son. Je pense que tu restes appuyé. Le baisser ? Le push to talk. Ouais, ton push to talk, il est un peu... Il casse un peu de temps en temps. D'accord. Du coup, on s'en va ? Comme vous voulez. Le temps que vous preniez cette décision-là, vous entendez... clairement, c'est le dragon qui dit... Il y a un trouble, mon repos. Vous pensez que c'est une demande de dialogue ? Il va peut-être discuter, hein. Je ne sais pas, mais bon, moi je suis impressionné par la créature. Ouais. Bon, on va chercher. Et on l'entend dans la tête, c'est... Ah oui, vous l'entendez. Par télépathie, c'est vraiment il parle commun. On a, d'après nos expériences, c'est ce qu'on a. Est-ce qu'on connaît des dragons, c'est un petit dragon ou on est sur un mastodonte là ? Pour toi, il est énorme. Après, vous avez déjà vu des dragons. Ouais. Dans le petit village. Dans le petit village de Palin, vous aviez vu deux dragons. Enfin, un petit et un gros. Petit et un gros. Il est plutôt sur le gros. On est plutôt sur la taille du gros. Par contre, vous avez jamais vu de dragon de ce type. Un dragon aussi, il est presque très élancé, très fin, très sombre aussi. Alors on sait que c'est un dragon d'ombre. J'ai du mal à mesurer notre force. Ouais. Disons que la taille de son museau... C'est à peu près. Ce que tu vois dépasser, c'est aussi grand que toi largement. Ok. Et de fait d'aventurier, de taverne, de machin. Est-ce que on sait que ça se terrasse ou c'est mort ? C'est genre, jamais quelqu'un est revenu dans Des racontars de taverne, c'est extrêmement rare ça. Déjà un dragon, ouais. Tout court, mais en plus un dragon d'ombre. Faut imaginer que les aventuriers comme nous, je pense, de niveau 13 et plus, c'est extrêmement rare. C'est vous êtes des héros, hein, des monstres de puissance en vrai. Hein. Ouais. Oui. Et quoi ? Après, on peut peut-être lui parler d'ici. Peut-être pas besoin d'aller jusqu'à lui,
s'il veut parler. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Allez. On fait ça. Monsieur le dragon ? Oh, oui. Désolé de vous avoir réveillé, hein, mais c'est les monstres qui ont attaqué. Des petits vers là. Que faites-vous ici ? On est là, on se balade, quoi. On découvre le château. Dis-tu la vérité, ça a rien de le cacher. On cherche une épée. Une épée. Il y en a plein partout, des épées, dans ce château. Oui, non mais, enfin, vous voyez, on est là, ici, maintenant, vous comprenez bien que c'est pas pour l'épée du garde qui est mort il y a 800 ans. Vous n'aurez aucune épée de mon trésor. Ah, vous avez un trésor. Ça va intéresser un pirate, hein, qui? Non, mais ne l'écoutez pas. N'écoutez pas. Voyons. Et ça fait longtemps que vous occupez les lieux, parce que après les dires qu'on a eu, vous êtes là que de temps en temps. Mais un peu plus de 100 ans. Ah oui, c'est assez récent alors. J'ai été attiré par ce lieu. Bah, un petit peu comme nous, finalement. Mais nous voilà dans de beaux draps. On aimerait bien repartir. Vous aussi. C'est vrai que vous êtes plutôt un nouvel arrivant comparé à Glimcarus qui est là depuis 200 ou 300 ans. Glimcaki ? Un elfe malicieux caché dans un coin du château. Vous connaissez une de Nod? Oui. Oui. Elle a tenté de capturer mon âme. Ah oui. Ok. Vous avez l'air d'avoir beaucoup d'ennemis quand même dans ce château. Parce que vous êtes... On n'est pas les premiers. On a croisé plusieurs personnes qui nous ont dit qu'ils voulaient votre tête. Hein. Qu'ils viennent, et j'aurai la leur. Oui, mais... Que diriez-vous de faire peut-être un bout de chemin ensemble? On a des choses en commun, peut-être que vous pourrez vous aider. Et comment comptez-vous m'aider? Je sais pas. En essayant de lever la malédiction, par exemple. Il nous faut récupérer une épée. Pour pouvoir repartir de ce château. Apparemment, elle est liée à trois âmes qui protègent. Comment il s'appelle ? C'est Célestial l'épée. Ouais, mais alors, je sais plus comment il s'appelle. Le nom, grosso merdo, effectivement, on a rencontré votre bonne amie Malatrotte. Hein ? qui nous a amené jusqu'au fantôme que je vais retrouver le nom qui nous parle. Qui est enchaîné dans le château. Ouais, le fantôme enchaîné. 19, celle du trône avec spectre, j'ai pas noté le nom. Andashi, non. Andashi. Trop d'or. Illégal. Trop d'or, c'est le dragon. Je sais plus. Andashi. Andashi, c'est le... C'est l'ancien propriétaire de l'épée. C'est l'ancien propriétaire du château avant... Mitrodar, c'est ça. Vous entendez... il semble vouloir... il commence à dire le mot de Mitrodar et il semble ça comme si son... Sa gueule était fermée au moment où il allait commencer à prononcer la suite du mot. Il commence à faire Mais
Je vois que vous êtes soumis à une malédiction, vous aussi. Tu le vois reposer la tête sur le sol, l'air... Tout penaud. Pas penaud, agacé. Ok. De ce qu'on a compris, effectivement, vous, Belshalam, si je dis bien votre nom, oui. Ainsi que Nihil, le vampire, Castotran, le lieutenant Casavant, et un dernier qui se trouve là où on allait, en fait, direction de l'église, de ce qu'on a compris, être lié à Mitrodar et à son enchaînement. On ne connaît pas toute la cohérence de tout cet ensemble, mais en tout cas, nous, on cherche principalement l'épée pour une quête dont on a besoin impérativement. Eh bien, je peux d'ores et déjà vous dire que cette épée n'est pas dans mon trésor. Très bien. Et vous savez où elle est ? Je peux pas vous dire avec certitude. Oh, même avec incertitude, c'est pas mal. Hein. Disons que je sais où elle n'est pas. Dans votre trésor, ça vous l'avez déjà dit. Oui. Elle n'est pas dans mon trésor. Elle n'est pas dans l'aile principale du château, ni dans l'aile ouest. Puisque j'ai tout visité. Enfin... Tout ce que ma taille permettait de faire, mais j'ai suffisamment croisé d'orques et autres visiteurs pour leur soutirer les informations. Ah, vous n'êtes pas capable de vous transformer en humain comme d'autres dragons ? Non, la malédiction m'en empêche. D'accord. Et... Connaissez-vous un moyen de vous libérer ? Oui, vous connaissez un moyen, vous ne pouvez pas le dire. Est-ce que vous pouvez l'écrire ? Je ne peux pas. Du coup, j'imagine que si on a juste vous clignez des yeux trois fois, vous pouvez faire ça. Je ne pourrais répondre à absolument rien qui a trait à cette malédiction. Mais m'en empêche. Très bien. Très bien. Est-ce que vous connaissez une personne qui pourrait nous renseigner là-dessus ? Il repose sa tête au sol, agacé. Et savez-vous la quatrième personne dont je vous ai mentionné dans l'église ? Non, je n'en ai aucune idée. C'est bien le seul endroit où j'ai pas pu aller. Ah, pas pu à cause de votre taille. Très bien. Ça, et je vais pas vous mentir, j'ai jamais eu vraiment l'intention d'y aller. Vous connaissez un accès ? Mis à part, j'imagine que les portes, il y a un accès par les toits. Eh bien, on va... Je le vois de temps en temps en allant passer. Très bien. Bien. Si vous ne croquez pas d'ici là et qu'on trouve une solution, je serai averti. Et pouvons-nous vous aider ?
pouvons-nous être utiles? Oui, vous savez déjà comment. Enfin, vous ne savez pas. C'est bien ça le problème. Oui, si on trouve une solution pour vous, vous verrez. À mon avis, à partir du moment où on aura les clés, la dédiction sera pas loin d'être... Après, je parle juste, je chuchote entre nous, mais en l'occurrence, libérer un dragon de l'ombre dans la nature, bon, ça me fait pas plus plaisir que ça de l'aider. Hein. Avoir un copain dragon, arrête! Et il est tout noir, il est trop beau. Je pense qu'il n'hésitera pas une seule seconde à te manger. Nous, dragons d'ombre, avons beau avoir des buts qui sont les nôtres. Nous savons quand même faire preuve de magnitude. Niveau 7. De magnanimité. Il entend bien, hein. Il entend très bien. Peu me chaud. Eh bien, ça vous dit qu'on essaye cette église par les toits? Oui, bah, de toute façon, je sais pas où va nous mener l'escalier à l'est, mais on verra bien. Et à l'est? Oui, je discerne dans l'ombre un escalier. Tout à fait. Bon, il fait très très sombre, hein, là où vous êtes. Hein. Je tiens à contrer. Yes, alors une seconde. Hop, voilà. Bon, en l'occurrence, de toute façon, le dragon ne nous sert pas à grand chose s'il peut pas nous dire grand chose. Il nous dira quelque chose. Si on bute, je préfère me prendre par surprise. Ça, je le dis pas à voix haute. Du coup, Iki, tu passes à côté du cocon. Tu te squeezes un peu pour passer. Ça a pas l'air de bouger particulièrement. Il est juste là. Eliana, est-ce que vous sentez de la magie dans le cocon ou de la vie? Je sais pas si on peut. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'on sent quelque chose? Non, enfin, en tout cas, si tu t'approches la main, il a pas l'air, d'être chaud au toucher, non. Pas de bruit, pas de chaleur. Non, pas de bruit, pas de chaleur. Pas de bruit, pas de chaleur. Pas de magie? Pas de magie. Enfin, alors pas de magie. Tu es tellement abasourdi et enivré par la magie. Du château. Du château et du dragon qui est présent juste à côté, que s'il y avait une quelconque magie, même là, il faudrait qu'elle soit vraiment énorme pour que tu la ressentes. Et en l'occurrence, tu ressens rien du tout au niveau du cocon. D'accord. Vous montez ? Allons-y. Du coup, ouais, Iki, tu vois qu'il y a... En bas, ce serait les écuries, du coup. Voilà, tu tout à fait, tu repères, repères l'écurie, tu vois... Le cul du dragon. Le cul du dragon. Et tu le vois, il retourne patiemment se replacer, s'allonger devant une porte. Ok, ouais, il est pas hostile à voir aller choper Iki à la porte. Non, non, du tout. Il est intelligent. Il sait que vous êtes les premiers humains à passer, humanoïdes à passer ici depuis sûrement très longtemps. Il a peu d'espoir de retrouver la liberté par lui-même. Donc ouais. Il a. On est un peu de distraction. Quoi. Bah, il a une chance si c'est que c'est vous. Enfin, il a une chance de sortir, c'est vous.
Il a l'air, comment dire, très ennuyé. Enfin, il a l'air de se faire chier, en fait. Mmh. Bah oui, ça fait 100 ans qu'il est là. Okay. Ouais. Même pour un dragon, c'est long. Surtout quand on se fait chier. Il n'y a rien de pire que l'ennui. Mmh. Il y a quoi comme trésor? Il n'y a pas un petit jet de perception. Tu peux faire un jet de perception, si tu veux. Ouais, moi, d'ici aussi, je le vois. On voit quelque chose. Ah, il est dans la porte. Tu peux faire un jet de perception. Oh non, je fais un 2, dégueulasse. Moi aussi. Plus 4. Alors... Ah non, je fais 35. T'as fait 15, c'est Kaito qui a fait 2. 35. Tu vois... Attends, on va faire un truc. Hop, on va faire ça. Tu vois des raies de lumière passer sous la porte. Des trucs qui brillent, hein, ça brille. Voilà, je sais pas si... Non, je vois pas de raies de lumière. Non, vous voyez pas de lumière. Attendez. Moi, je vois... Mais moi, c'est bon, de toute façon, c'est toi qui as fait le jet de perception, c'est bon. Voilà. Moi, je vois le arrêt de lumière, là. Juste là. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok, ok. Qui fait comme s'il avait rien vu. C'est pas bon pour lui. Ah, pas bon pour son cœur. Allons-y. Je ferme la marche avec ma torche. T'as une torche aussi? Ok, attends. Ouais, ouais. Bah, elle va pas durer longtemps, t'inquiète. Te prends pas la tête. Hein. Ah. Ok, attends, trop tard. Quand je vois que tout le monde a monté les marches, je prends la torche et puis je fais comme ça là dans le lit. Hop, ok. Et je me barre. Ça marche, ça marche. Je pars en courant. Alors, on arrive à l'étage. Okay. Vous êtes dans un couloir qui semble. Qui n'est pas éclairé en. Mais bon, la flemme de faire la lumière. Donc, qui n'est pas éclairé. Ouais, mais qui nous éclaire. Mais qui vous éclaire, exactement. Bon, j'attends bien tout le monde. Bah, normalement, tout le monde. Là, c'est juste que tout le monde est empilé. Ok. Voilà. Alors j'ouvre la porte. La porte est fermée. Eh bien, je vais regarder s'il y a une serrure. Il y a tout à fait une serrure. Je regarde si mes outils sont toujours dans mes poches. Et je crochète la porte. Enfin, j'essaye de voir déjà si c'est bien. Elle est verrouillée. Oui, enfin, il y a une serrure, tu peux tenter de déverrouiller. Pas de souci. Sabotage, hein. Ouais. Ouais, tout à fait. Et bien, tu n'y arrives pas, elle a l'air un peu complexe, cette serrure. Je pense que je peux le faire, mais ça va me prendre du temps. Prenons le temps. Attention, si... ça va, qui fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. Wow. Ouais, bah, je sais bien. Ouais. Tu te souviens d'un truc dans ta poche là quand t'as monté les escaliers, ça fait gling, 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 gling. Non, c'est moi qui l'ai. Ah, bah c'est Enzaru, alors. T'as entendu dans la poche d'Enzaru un truc qui fait gling, gling, gling. La clé du château, bien sûr. Mais on va essayer. On a trouvé qu'une clé, on va la tenter. C'est plus un jeu de clés. Ah, c'est un jeu de clés, ok. C'est un trousseau, oh. Ouais. Ah oui, vas-y, clé. Bah, j'essaye plusieurs clés. Vas-y. Hein. Ah, oh. ça a marché. Oui. Dingue. On se retrouve à l'extérieur. Sur des parapets. Vous êtes sur un parapet, effectivement.
Il est recouvert un petit peu de lichen vert. Bon, ça a l'air d'être de la mousse, tout ce qui est plus classique. Hein. Vous avez une tour à l'est, enfin au nord-est, et vous avez bah, quelques bâtiments au sud et au sud et à l'ouest. On commence par où? On fait le tour par le sud. Moi j'aimerais bien voir les toits de l'église. Ouais, voilà. Nord. Ah oui. Là il y a une porte. Il y a une porte tout de suite sur ta gauche, ouais. Bah, et bon, il y a une porte donc là sur la droite, sur votre droite, juste derrière les escaliers. Et par contre sur votre gauche, là-bas, il y a un mur sans porte. Et l'église là, elle est ici. Le donjon dans lequel vous avez essayé d'entrer, c'est tout à fait ici, exactement. Et donc là, ici, ça serait une tour, c'est quoi? Ça serait une tour, exactement. Bon, on essaye d'abord l'église. Je regarde quand même en l'air là, parce qu'on avait dit qu'il y avait des bestioles là. Mais il semble pas y avoir d'accès. Ouais, mais on va peut-être devoir grimper. Oui, il parlait de la toiture tout à l'heure. Ouais. Ouais, entre le parapet et la toiture, il y a combien? Comment? Entre le parapet et la toiture? Entre le parapet et la toiture, là c'est assez haut en vrai. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Bon, après, on peut toujours faire léviter Kaito. Bah, sinon, on connaît un dragon. Je suis pas sûr qu'il nous aide comme ça. Vous voulez aller où en premier? Hein? Vous voulez aller directement à l'église? C'est sans compromis si c'est beaucoup trop. Ouais, je pense pas que la hauteur soit vraiment un souci. T'avais pas pris un sort ou un truc de toi, Kaito, pour voler ou je sais pas quoi? Truc de qui? J'ai chute lente, ouais, je confonds peut-être. J'ai une tenue pour. Enfin, une cape pour chuter sans me faire mal. Et pour l'éviter. Non, mais après, j'ai ce qu'il faut pour grimper, hein. Oui, il y a Irina qui peut faire comme à la tour des hippogriffes. J'ai combien de mètres? Est-ce que ça me semble escaladable? Alors attends, que je réfléchisse, vous êtes au premier étage. Tu dois avoir une dizaine, quinzaine de mètres, je dirais. Okay. Ah, quand même! Et les pierres sont grosses? Les pierres sont grosses, sont assez. Ouais, pas trop lisse, quoi. Non, c'est pas trop lisse, c'est surtout en fait, elles sont assez lisses, mais t'as beaucoup d'aspérité entre chaque pierre. D'accord. Okay. Bah écoutez, si vous voulez, moi je monte et je fais descendre une corde, hein. J'ai encore ce qu'il faut. Oui. Si vous voulez directement y aller, oui. Je mets une corde autour de. Là, ouais, il va y avoir d'autres accès ici. Et puis je grimpe. Ok, tu me fais un test d'escalade, s'il te plaît. Laurie nous a suivi, de toute façon. Oui, tout à fait. Juste d'autres trucs à gérer, du coup, je galère. 20, ouais. Alors, tu manques à plusieurs reprises de tomber. Vraiment, tu te rattrapes à chaque fois au dernier moment sur une main où tu as les deux pieds qui glissent, ou tu vois, enfin. Mais okay. tu arrives à destination. Tu arrives à destination, donc 15 mètres plus haut. Alors. Tac. Je vais t'emmener quelque part. Comment on va faire? Comme ça. Après, t'es pas obligé de mettre mon jeton, hein, si t'as une vue du dessus. Ouais, mais le mieux, c'est que tu vois à quoi ça ressemble quand même. Donc, j'ai une vue, je suis prêt.
Hop, je vais tous vous y mettre histoire que vous voyez un peu ce qui se passe, mais pour l'instant il y a que Kaito. Iki, Enza. Hop, et je mettrai Laurie plus tard. Hop. Voilà, donc dans les faits, tu es ici, sur le toit. Ok. Et tu vois encore une. Bah, en fait, la fameuse tour en pierre vraiment différente. Elle est encore beaucoup plus haute que la toiture. Elle est pas beaucoup plus haute. Elle est encore à 10 mètres, on va dire. Ok. C'est normal que je vois rien. Et là ? Là, c'est bon. Voilà. Okay. Donc, j'ai encore 10 mètres. Ouais, et comme tu peux le voir, le toit est. Enfin, c'est. C'est une belle tour, quoi, déjà. Hein. Là, il y a quelques mètres à faire avant d'y aller. Hein. Ok. Je pensais avoir quelque chose pour accrocher mon grappin au bord, mais ça me fait chier d'enlever des tuiles. Du coup, je vais aller jusqu'à la pointe du toit. Ouais. Et je vais faire un tour avec mon grappin. Avec la corde de mon grappin et une corde de 15 mètres, je fais un nœud bien solide. Je laisse descendre ça entre deux tuiles. Ouais, le grappin il fait combien? Il fait. Bon, je pense que c'est 10 mètres, je crois. Non, au moins 2. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Bah, de toute façon, il faut. Oui, enfin, c'est. C'est ok, ouais, c'est ok. Du coup, tu laisses tomber la corde. Ouais. Et ensuite. Et ensuite, je vais faire signe à mes camarades qui peuvent grimper après avoir testé que le grappin tient bien. Ok. Bah du coup à vous enfin est-ce qu'il y a réellement un intérêt à une fois là-haut qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on a vous pouvez passer par les toits donc bon au pire des tuiles hein j'en ai rien à foutre des tuiles je descends mais je pensais à la même chose. Mais déjà, moi, je vais aller voir cette tour, là, m'intrigue. Alors, à savoir si on veut rentrer dans la bâtisse principale ou dans la tour directement. Mm-hmm. Sinon, effectivement, on peut passer. On enlève un mètre carré de tuiles et puis on pèle, on casse les litos et on passe par la toiture. Sinon, il y a des cheminées. Ouais, mais je m'appelle pas Pardon. Et puis, vous vous souvenez de la cuisine? Bon, je suis un peu loin pour discuter avec vous, Iki. Vous, est-ce que tout le monde monte déjà? Ouais. Tous ceux qui montent peuvent me faire un jet d'escalade. Il est pas très compliqué, mais il faut le faire. Tous ceux qui montent avec la corde. Ah si, il est compliqué pour moi. Bon, Kaito, t'es tout seul en haut. Moi, je vais faire un ascenseur finalement. Alors. Bim badaboum. Escalade. Zéro. Ah bah, il y a une corde. Moi, j'ai moins 2 ben. Tous moins 2 d'ailleurs. 2 moins 2, 0. Alors. Les chutes, on est à 15 mètres. Vous avez ouais, mais là, vu le sport, donc vous allez rater assez rapidement. Vous allez prendre un D6. En gros. On a chuté dès le premier mètre. Ouais, vous prenez 3 points de. Est-ce que vous assistez? C'est plus le dégât à l'ego, tu vois.
Ah oh, bah je vais rester en bas. Hein, et Elerina, par contre, elle n'a aucun problème. Bah elle alors, même avec mes brindis, si j'arrive à monter. Ah oui. Peser 3 cacahuètes. Je pèse trop lourd. Hein. Ouais, je vais faire le jet avec Laori quand même. Aucun problème. Est-ce qu'on peut prendre notre temps pour monter? Les mecs, ils prennent 10 minutes pour monter. Je suis pas sûr qu'on puisse faire 20 avec le jet d'escalade. À la limite, attendez, je revérifie ce que j'ai dans mes cerfs. C'est un problème de force, hein, c'est ça? J'arrive pas à grimper. C'est un problème de force, oui. Bah sinon, si vous êtes trop en haut, vous pouvez nous aider en tirant sur la corde. Ouais, je pense qu'on peut faire ça, mais bon, encore faut-il que vous teniez la corde. Pour mon ego, je veux bien tenter une deuxième fois. Allez. De repasser 10, est-ce que ça passe, bon. 10 ça passe, ça passe, ouais. De justesse. Bah pour le dernier, on va le hisser. Et qui fait un tour au niveau de la taille, on va vous aider. Bonne idée, la gueule, ça encore la vieillerie. Quelle idée de grimper aussi haut. Ah, c'est tout simple. Il n'y a même pas besoin de corps. Du coup... Tu veux l'aider, c'est ça? Ouais, mais je me sens pas tout seul. Donc je demande à mes camarades de venir m'aider à tirer sur la corde. Au moins Laori et ouais, c'est surtout ça. Laori. Personne, je regardais en même temps, personne ne peut faire 10 sur un jet d'escalade, donc personne ne peut garantir un succès simple, on va dire, sur un jet d'escalade, sauf si vous avez une vitesse d'escalade. Ce que vous n'avez pas. Vous avez une vitesse de marche, vous, et c'est tout. C'est les araignées comme ça. Les araignées, sûrement les certains animaux, genre les singes typiquement. Okay. Du coup, il faut qu'on fasse un jet ou quelque chose pour l'aider. Tu peux faire un jet de force. Tu peux faire un jet de force, mais aidez-nous. Mais ouais, Laori aussi va vous aider. Ouais, il va falloir. Hein. Ok, ça va. Kaito, il était prêt. Il s'était préparé psychologiquement. Ok, merci. Et Laori peut aider un peu aussi. Du coup, c'est bon. Hein. Après quelques minutes de galère un peu, parce que, en gros, Iki, il s'est attaché la corde en bas autour du bide, et puis il était en mode « Allez, c'est bon, les gars, hein. Je suis prêt ouais. !» J'arrive en haut avec la pipe. Bye. Parfait, merci. C'est donc ça les montées en rappel. Pendant que moi je glisse sur une tuile. Ça se fait lui, bien. Mais lui on n'a pas envie de le rappeler. Ça se fait bien, ça se fait bien. Oui. Est-ce qu'on irait pas voir cette tour là avant de. Je jette un œil quand même au-dessus de nous, il y a rien qui rôde là. Non, alors. Alors que vous montez sur le toit de cet édifice, vous entendez le rugissement du dragon qui sort de la tanière, qui sort de son chenil,
et qui vient faire des ronds autour de vous. Il semble s'amuser de voir ce que vous allez faire. Il semble curieux. Il a pas l'air du tout agressif, par contre. Je te le dis, on est sa distraction. Là. Taiki voulait pas redescendre pour aller choper son trésor. Non, non. Il a Louis Finn, s'il faut, il a entendu de là-bas. C'était bien possible. Hein. Et il y réagit pas pour l'instant. Non, c'est pas possible avec le vent et tout. Ils ont une sacrée. Ils ont un sacré bonus. Hein. Ouais. Tu parles les stats d'un dragon. C'est avant, c'est pas possible. Ça me surprend pas qu'il ait un plus 40 hein, en perception. Qu'est-ce qu'on voit cette tour là? Alors, donc c'est une tour assez assez étrange. Elle est en forme d'étoile presque, et elle est dans une roche très sombre, très presque noire, vraiment presque noire. Beaucoup plus lisse. Celle-ci ne semble pas du tout avoir été abîmée par le temps. Okay. Je fais un peu le tour, voir si tout est à la même hauteur. En fait, là, du coup, on n'a aucun accès, on est d'accord. Et tu nous as dit, c'est pour voir le haut de la tour, c'est encore 10 mètres plus haut. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et là, en faisant le tour, il n'y a aucun accès plus bas. Non, aucun accès plus bas. Il n'y a pas de fenêtre, pas de porte, pas de meurtrière. Clairement, tiens, qui c'est qui a de l'ingénierie ici? C'est Ikki, ouais, c'est moi, ça. Vas-y, fais-moi un petit jet d'ingénierie. Maintenant que t'es très très proche de cette tour, que tu peux presque toucher la pierre, pour toi c'est ça fait aucun doute que c'est une tour qui existe depuis très 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 longtemps, qui est bien antérieure à la construction du château. Ouais. Hmm. Ok. Je vais faire un jet avec Laori. J'en fais part à mes camarades. Ok. Le château a été construit autour de cette imposante tour qui est encore en obsidienne, ça, la pierre noire, ça. Je saurais pas trop dire. Du coup, on a une idée si les personnes en fait, qui sont entre guillemets prisonnières de ce château. Date enfin, de l'époque du château ou c'est même antérieur à ça? Alors attends, tu peux me le refaire? Est-ce que les gens qui sont prisonniers du château? Ouais, les âmes qui sont prisonnières ouais. du château, est-ce que dans les différents les échanges qu'on a eu, est-ce qu'on a eu à chaque fois l'impression que c'était à l'époque de ce château-là quand il était. Il était en fonctionnement, ou est-ce qu'on n'a pas eu du tout de notion de temps, ou est-ce que c'est à une époque où. Parce que. Tu veux dire le moment où il était emprisonné? Ouais. Tu saurais pas trop dire. Il y en a. En fait, ça dépend. Il y en a clairement, ça te semble être des gens qui étaient là au moment où le château était encore. Là, on va dire. Enfin. En fonction, on va dire. Par contre, vous n'avez pas croisé de créatures qui pouvaient être antérieures au château. À ta connaissance, en tout cas. Pour l'instant. Voilà, à ta connaissance. Il faut oui, mais vous le savez pas. Par exemple, le dragon, il n'est pas antérieur au château. Non. Non, et de ce qu'il vous a dit, il est arrivé après. Il n'y a qu'une centaine d'années qu'il est là. Il est... Ouais. Ouais, mais je veux dire... Il est aussi vieux que le château ou pas? Ah! Ça, c'est une autre question. tu sais pas. Bah, si l'autre est enchaîné dans le château et le
je sais plus comment il s'appelle, l'elfe là qui est malicieux là, il, ça fait déjà 200-300 ans qu'il est là. Le château, ouais. Il a au moins 300 ans quoi. Je dirais. Mais quand même, là, il y a une histoire de fait historique avec ce dragon et... Enfin, pas celui-là, hein, mais... Oui. Ah, oui, l'autre dragon, tu voulais dire. Ouais, quand tu disais le dragon. Oui. Ouais, ben l'autre dragon... Tu parles de Casavant, du coup. Ouais, Casavant. On sait quand est-ce qu'il a été désossé ou pas. Ouais, vous savez. Il a été désossé il y a 500 et quelques années. Ok. Donc ce château existait. Oui. Ok. Donc il y a, en plus de la malédiction de Casavant, il y a un truc qui est antérieur à tout ça et quelque part... potentiellement a fait revenir ces gens ici. Laori vous dit que vous le voyez apparaître, vous le voyez dépasser, on va dire, quand vous étiez un peu plus de ce côté-là du toit. Vous voyez le haut de la tour un petit peu. Il y a un genre de bâtiment qui est posé sur la tour, qui surplombe encore un petit peu le toit de cette tour en étoile. Et au niveau de ce bâtiment, il y a une genre d'effigie, mais qui est gigantesque, hein, qui fait peut-être 5 mètres sur 5. Voilà. Elle le dit un peu, elle t'entend réfléchir sur le passé un petit peu de ce bâtiment, de cet édifice, et elle dit alors là par contre je sais pas si vous avez vu en haut de la tour, là il y a le symbole de Zone Cuton, c'est un crâne avec des chaînes qui sortent des orbites, et ça c'est le symbole de Zone Cuton. Donc et du coup vous en savez un petit peu plus sur cette tour, vous en avez connaissance? Alors je pense que cette tour date d'un temps très 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 ancien. Je pense qu'on parle d'une tour qui existe depuis des milliers et des milliers d'années. D'accord. Et son rôle ? Alors, j'en suis pas sûr à 100%, parce que c'est pas des choses qu'on étudie de manière très active. En tout cas, pas à mon niveau, en tout cas. Mais ça serait Zone Cuton qui aurait posé cette tour, et on les appellerait des clous. Quoi ils servent, je ne sais pas. Oui, il y en aurait un petit peu partout dans tout Golarion. À quoi ils servent, je ne sais pas, parce que j'ai raté mon jet de religion. je ne m'en souviens plus. Vous n'avez pas un bouquin là-dessus qui traite dans les... Je peux faire un jet de religion, Enzaru. Hein. Ouais, je peux essayer. Je peux essayer, même si c'est pas mon culte. Peut-être que j'ai lu ça quelque part. En fait, cette indication-là sur les clous posés par Zone Cuton pourrait... te donner des indices, mais avec un 2, ça ne sera pas pour aujourd'hui. 19, ça suffit pas même. Non. Attends. Je fais un 2 aussi, comme ça. Ouais. Ah, mais on est catastrophique. 3, 2, 2, mais... Ouais. Heureusement qu'on se démerde bien en combat, hein, parce que sinon... Ah bah non, la campagne avancerait pas beaucoup, hein. Okay. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? On monte ou on monte pas? On monte ou on descend? Que disait... Elerina, qu'est-ce qu'on fait? Bah, maintenant qu'on est là, on monte, non? Ah, bon, voilà, hop, Kaito, montez. J'en ai marre, là, il y a encore Iki à faire grimper, là. Non, j'ai compris le truc, maintenant, ça va aller, c'est pas très haut, là.
J'ai compris le truc, il suffit de mettre la corde autour là. Puis après, il y a des gens qui me remontent. Ça va bien, ça va bien. Est-ce que ça me semble accessible ou vraiment c'est mort là? Non, non, ça te semble accessible, mais c'est un petit peu plus compliqué. Ok. Vu qu'il y a 10 mètres, je vais. Et qu'il y a, un... il y a l'air d'avoir un parapet. Je vais essayer quand même un jet de lancer de grappin. Ouais. Carrément. Est-ce alors, du coup, le lancer de grappin, je l'ai là. Hein, je l'ai là. Sur 10 mètres, il faut un peu de force, non? C'est, ben, y a un facteur de portée de 3 mètres, donc on va dire 9 mètres. Agrippé, c'est pas ça. Donc ça va être un jet de. Donc un des 20 plus. Un des 20 plus 14. Et vu que c'est un facteur de portée de 3 mètres, donc ça fait moins 10. Et 16. Tu arrives à lancer le grappin. Ok. Est-ce qu'il s'accroche? Ouais, il s'accroche tout à fait. Il semble qu'il y ait un petit rebord. Sur le haut du mur. Ok. Eh bien, écoute, ça a l'air, en tout cas, tu tires bien dessus, tu sais, tu mets tout ton poids, ça a l'air de bien tenir. Je vais mettre un peu d'angle, essayer de grimper, les pieds contre la paroi, ouais. Et en tirant avec les bras. Ok. Bah, écoute, je fais exprès de bien insister sur la montée, et puis je vérifierai si j'arrive en haut, il est bien accroché. Ça marche. Du coup, petit test d'escalade. Ça devrait pas être très compliqué. Il y a la corde. En fait, avec la corde, normalement, c'est simple. C'est pas à qui tu t'adresses, là. Ah bah, faut arrêter de faire des deux, hein. Voilà, là encore. Oh non. Échec critique, tu... Oh non. Oh oui. Elerina, échec critique. Iki, vas-y. Non mais attendez, non, attendez, mais... attendez. J'ai peut-être graissé la corde. Deux secondes, attendez. Oh. Ah, c'est Laori, j'ai eu peur que ce soit Iki. Laori d'une main. Critique. Ah mais allez, je vais vous montrer. J'ai hâte, hein. Il faut donner un coup de bassin. Ah ouais. Eh, ça passe. Attends, il y avait le 5 qui était pas loin. 13, ça suffit. 13, ça suffit. Donc, Enzaru et Elerina, vous allez prendre... vu que c'est un... C'est pas un échec critique, mais vous avez loupé à plus de 5. Du coup, vous allez... Comme si vous étiez tombé de toute la longueur. C'est... On est à moins 1 quand même. Oui. On est 14 points de dégâts chacun. Oh putain. Oh les jets de... Vous traversez la toiture et atterrissez en bas. Non, vous retombez. En plus, vous êtes vraiment à un endroit un peu... Au pire, vous tombez, vous glissez de 1 mètre et puis vous rattrapez sur le mur qui est juste là. Quoi. Donc, Sur les crochets d'ardoise, agréable. Ça fait mal l'escalade. Ah, l'escalade, faut pas tomber, quoi. Ah, faites-moi la maline, hein, comparé à tout à l'heure. Oui, c'est pas la même paroi. Ouais, on a toujours des excuses. Bah, let's go, hein, comme tout à l'heure, mon ego. Ouais, allez. Me dit d'essayer une deuxième fois. Ouais, j'ai entendu que ça a chu. Je me mets à cogiter fort sur. C'est bon, ça passe. Sur les solutions. La deuxième tentative de Enzaru est. 8, ça reste pas fou, hein, mais ça passe quand même. C'est compliqué, mais ça passe. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas fameux, disons que c'est pas fait avec, grâce et, avec la grâce et l'élégance qu'on connaît. Les pieds en avant. Et. Elerina, tu veux retenter ou tu préfères qu'on te porte? On va, si on peut faire comme Iki.
Ou est-ce que tu as une autre option? Moi, je vole, je m'en fous. Oui, je peux voler. Elle peut voler. Elle pouvait tous vous faire voler depuis le début, d'ailleurs. Hein. Moi, je dis ça. C'est bon, on a pris la corde. Maintenant, on y va jusqu'au bout. Vous accrochez. Entre ça et le portail dimensionnel, moi, je dis plus rien maintenant. Bah après, c'est Kaito, il a pas voulu tout à l'heure. Alors, je dis rien. Oh, le portail, ça coûte des sorts. Ah, c'est vrai que ça coûte des sorts. C'est vrai. Petite le vol aussi. Parenthèse pour Allez, pour les quarantenaires, voire les trentenaires peut-être, si vous n'avez jamais vu le film, vous n'aurez pas l'Alsace ni la Lorraine avec Coluche, vous pourrez voir comment le chevalier blanc escalade à la corde. Ah oui, oui. Vous verrez comment il nous enroue. Ça vaut le détour. Ça vaut vraiment le coup. Allez. 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 Oh, Is ! Ah bah, pèse pas lourd, ça va. Hop, petit jet de force quand même pour la forme. Alors, si vous y mettez à 4, normalement pas de soucis. Hein. Oh putain, je fais un 10. Oh, je suis trop fier. Oh là là. Ok, heureusement que Laori est là. Vas-y, Iki, voir. Laori, la valeur Pardon, sûre. J'étais en train de taper escalade chevalier blanc. Ah oui, t'inquiète. Petit jet de force, s'il te plaît. Oh non, c'est pas mon truc ça. Ah bah, je sais bien. Ouais, effectivement, ouais, c'est pas ton truc. Heureusement que Laori était là, elle a porté quasiment à elle toute seule avec l'aide d'Anzaru et Irina. Et vous êtes donc maintenant tous sur le toit. Et donc vous faites face à un unique bâtiment en pierre sans entrée apparente qui trône au sommet de ses fondations en forme d'étoile. Vous voyez que le marbre du bâtiment ne présente aucune fissure et est poli, presque comme si toute la structure avait été sculptée dans un seul et immense bloc de pierre. Ce n'est que sur le mur sud-est, donc là où vous êtes, du petit bâtiment en pierre, il y a quelques irrégularités. Ici, une sculpture de crâne de 3 mètres de large avec des chaînes à pointe suspendues à ses orbites surplombe le château en contrebas. Okay. Très bien. En dessous du crâne, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un mur. Okay. Les chaînes, après, elles s'enfilent où ? Les chaînes, elles sont posées, elles semblent brinque-ballées dans le vide. Quoi. Tu peux les... okay. Ouais. Elles sont accrochées elles sortent des orbites, comme si elles sont accrochées au mur, sûrement. Et voilà. Et du coup, je décèle. Alors, je suis pas spécialiste de ça, mais je décèle aucun mécanisme avec ça. Aucun mécanisme. Non, bon, de toute façon, tu prends le temps de regarder. Hein. Je te fais pas faire de GD. Tu décèles aucun mécanisme. Aucun mécanisme. Bon, ben je fais le tour. Ouais, ok. Vous voyez que Laori, depuis tout à l'heure, a l'air perplexe. Elle regarde vraiment dans tous les sens ce symbole, ce symbole qu'elle connaît très bien. Puis au bout de quelques minutes, elle ferme les yeux, elle se concentre très fort et vous la voyez commencer à réciter un genre de prière dans une langue qu'aucun d'entre vous ne connaît. Si, moi je peux comprendre en tout cas. Ah, c'est vrai! Alors attends, c'est en quoi déjà? Parce que du coup, dans mes notes, j'avais écrit « Personne ne connaît ». Pas de bol. J'ai chopé une bague. C'est vrai, c'est vrai. En plus, c'est moi qui te l'ai donné, c'est con. Le gars qui se fait des pièges tout seul, tu sais. Alors... Dans l'ordre logique, on devait être d'abord là, avant. Non. Voilà. Pas du tout. Pas du tout, absolument pas. C'est du Nidalee, je sais pas comment on dit. Nidalee. Non, c'est une langue qui vient du Nidal. Le Nidal, si vous reprenez la carte de... Si vous allez dans l'aide de jeu, voilà, si vous allez dans l'aide de jeu,
Nidale. C'est le pays qui est juste en dessous de la Varizie. D'accord. Voilà. C'est du Nidal. Voilà. C'est cette langue. Et au bout de quelques minutes, hein, ça dure un petit peu, vous la voyez s'avancer et traverser la statue, comme si elle n'existait pas. Okay. Est-ce que j'ai compris un petit peu, grosso merdo, ce qu'elle disait ou pas ? Ouais, en gros, c'est... Oui, tu as tout à fait compris, hein. En gros, ça te semblait être une prière, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça t'a semblé un petit peu perturbant, parce que... c'est un dieu qui prône la douleur et... C'est un dieu masochiste, en gros, hein, donc... Enfin, sadomasochiste, même, on peut dire. Donc, du coup, c'est un peu perturbant pour toi, mais bon, t'as pas perdu de points d'intelligence ni de... Il de sagesse, hein, t'inquiète. Hein. Donc elle traverse, puis elle vous dit que vous pouvez passer, c'est bon. Tout à fait. Il y avait un passage. Comment ça se présente, c'est... En fait, il n'y a pas de passage particulièrement. C'est sa prière a dû ouvrir une porte comme une porte éthérée qui serait cachée et fermée. C'était le crâne 9 3/4. Exactement, tout à fait. C'est exactement ce même principe. Sauf que le crâne 9 3/4, enfin le quai 9 3/4, est-ce que tout le monde peut y accéder ou il faut... Il faut être magicien. Il faut être magicien, ok. Je n'ai plus la ref. Ouais. Et bien là, c'est pareil, sauf que c'est avec une prêtre de... Enfin, un ou... Ah non, attends, j'ai des bêtises, il y a des moldus qui y vont. Ah ouais, mais ils sont magiciens. Des moldus magiciens ? Oui, bah il y a des moldus magiciens. Il y a des magiciens qui sont d'origine moldue. Ah oui. Des magiciens. Je sais pas s'il y a besoin de... Des magildus. Ça a jamais été dit, hein, je crois. Ok. Quoi qu'il en soit, vous êtes... Bref, ça a brûlé. Vous êtes dans la pièce qui est vraiment... très sombre, hein, dans les faits. Ah, c'est bizarre, vous voyez ça. Normalement, c'est pas... Normalement, c'est un vrai mur au fond. Bon, c'est pas très grave. Et un escalier qui descend. On voit bien. Oui, bah, vous voyez rien, mais vous voyez derrière le mur, quoi, je veux dire. Oui. Là, voilà, là, ici, normalement. Voilà. Okay. Enfin, j'ai cru, oh, la lazy forest. J'ai cru que t'étais en train de nous dire, putain, on voit le passage secret. Non. Non, c'est... Il n'y a pas de passage secret, c'est... pas le temps de niaiser. C'est un escalier. Allez, on descend. Tout noir. Il n'y a aucune décoration, hein, dans tous ces trucs-là. Je suis sur le rebord. Attendez. Hein. Oui. Ah ouais. Ah, c'est rigolo, ça. Alors. Je veux pas sauter. On va faire comme ça, parce que je pensais pas que ça allait vous mettre ici. Vous voyez que c'est très étroit, hein. Voilà, c'est très étroit ici. Vous êtes à l'étroit dans cette tour. Okay. Et ça descend ou pas ? Et non, c'est tout. Pour l'instant, vous voyez absolument rien d'autre. Okay. C'est normal là où il... Ah mais c'est un escalier en colimaçon, qui continue à descendre. Non, c'est un escalier qui monte là, et c'est tout. D'accord. Okay. Vous êtes à la base de l'escalier. Okay. Un petit jet de perception. Il est de perception, ça me convient. De passage secret. Oh, t'es sérieux? Ça fait 30 avec le 5. Ouais. Je fais quand même 24. Mais... Ah. Eh bien, Iki et Kaito, du coup, vous repérez un petit passage, enfin en tout cas une brique qui semble s'enfoncer dans le mur sud, et vous arrivez à passer dans la pièce suivante, en tout cas. Et vous êtes toujours à l'étroit, hein. Donc
gauche, droite, en bas. Allez-y. On va aller trois à droite. Oui. C'est toujours étroit, hein. Ouais, vous entrez dans ce qui ressemble à une geôle de prison. Vous voyez qu'il y a des menottes qui sont accrochées au mur, des menottes métalliques noires qui sont suspendues au mur. C'est vide, rien au sol. C'est vide, mis à part des taches de sang un peu partout au sol, séchées, très sec, évidemment. Il y en a un qui a dû s'éclater ici. C'est voici une autre geôle. Okay. Je fais un jeu de perception. Ça rebelote, hein. Ouais, vous aurez un bon bonus parce que vous en avez trouvé un, donc vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Vous donnez plus 10. Oui. Il va falloir. Il va falloir. Hein. Ah non, mais c'est encore 4 abusé. Vas-y, Laori, là. Nul à chier. Bon, de toute façon, si vous trouvez pas comme ça du premier coup, vous pouvez prendre 10, 15, 20 minutes pour trouver. Ça, c'est pas un souci. Mais on va regarder quand même si Laori elle trouve, parce qu'on sait jamais. M'étonnerait, mais. Elle n'a pas un très bon. Ouais, voilà. Pas un très bon bonus. Ok, donc du coup, bah, vous prenez 20 minutes, vous cherchez absolument à tâtons tous les murs, hein, vous testez chaque brique de chaque mur. On va faire un truc. Je réfléchis. Hein. Parce que 38 ça passe pas. Non, c'est pas ça en fait. Non, 38 ça passe pas. Non mais en fait vous allez trouver le passage secret. Juste. On va faire comme ça. Ok. Vous trouvez le passage secret qui mène vers la porte en haut à gauche, en tout cas. Enfin, qui ouvre un passage vers en haut à gauche. Ok. Vous entrez dans ce qui ressemble à une chambre. Okay. C'était autrefois évidemment le domicile de quelqu'un. Elle est un peu, elle est très peu meublé. Il y a une petite table qui contient un bol et une tasse en bois et une pile de linge, du linge de lit au centre, où quelqu'un semble avoir été brutalement assassiné, à en juger par les vieilles taches de sang qui en recouvrent une bonne partie. Il y a des os, il y a des ossements. Tout à fait. Il y a des, si tu soulèves un peu le linge de lit, tu vois tout à fait des ossements. Ouais. J'ai fait un jeu de perception si je cherche à identifier si c'est quelqu'un du culte de Laori. Ou... Ouais, tu cherches quelque chose sur. Sur lui. Ouais, si sur le squelette il y a encore des genre des bagues, des trucs comme ça qui pourraient. Ouais. Vas-y. C'est vraiment pas la journée. C'est une dingue. C'est dingue. Moi je me casse. Je vais ouvrir la porte. Bah y a rien. De toute façon y a rien. En fait les os tu les prends puis ils se transforment en poussière instantanément quand tu les prends et tu ne vois absolument rien. Ouais. Donc vous comprenez que la tour est en forme d'étoile, hein, et donc du coup toutes les pièces vont être un petit peu tarabiscotées comme ça. Ouais. Oui, c'est vraiment spécial comme architecture. Ouais. Vous en avez déjà vu des trucs comme ça? Tu demandes à Laori? Ouais. Absolument pas, moi j'ai jamais mis les pieds dans une tour comme camarade, ça. Camarade, j'ai trouvé un autre escalier. Oh, c'est incroyable. Oui, on avance. Peut-être faire un petit jet de perception ici, on sait jamais. Hein. Ça n'a aucun intérêt comme architecture.
Mais des passages secrets partout. Non, pas de passage secret, enfin pas que tu vois en tout cas. Et bon, après, si tu veux prendre 10 minutes pour regarder, tu peux prendre 10 minutes. Oh, c'est bon, on a déjà perdu assez de temps là, ça fait 20 minutes qu'on est dans un mur depuis tout à l'heure, là, ça fait au moins une demi-heure qu'on est là-dedans. Moi, j'aime pas les espaces clos comme ça. Est-ce que tu veux prendre 20 minutes pour chercher des passages secrets dans tout l'étage? Ouais. Ok, donc j'ajoute. Enfin, peut-être se séparer s'il y en a qui veulent descendre. Ouais, moi je vais faire pareil, mais en bas. Alors, une seconde. Ah. Merde. Désolé. Ouais. Alors, attends, où est-ce que t'es du coup? Il y a du bleu en bas! Je sais plus où t'es en plus. Bah, je suis dans le bleu. Il y a des champignons et du bleu. Ah oui, t'es là. Je pense que je vais mourir. Ah oui, donc toi t'es là. Donc très bien. Pas de soucis. Je sais pas si c'est très bien, mais. Toi, Enzaru, tu trouves un passage secret au sud-est qui était vachement mieux caché que les autres. Ici. C'est un lieu de culte. Ouais, alors une seconde. Hop, tac. Que je dise pas trop de bêtises. Non, c'est pas ça. Ah, voilà, ok. Non, c'est toujours pas là. Attendez, j'ai pas la carte à côté comme je voudrais. Ouais, c'est ça. Ok. Tu es effectivement dans ce qui ressemble à une chapelle, Enzaru, qui est entourée d'ombres vraiment grouillantes, et tu as une statue d'une silhouette humanoïde d'à peu près 3 mètres de haut qui se tient. Immobile, c'est pas une statue vraiment, t'as l'impression que c'est plus une statue de chair qui a été conservée, qui ressemble à ceci. Laori! Laori! Venez voir par là! Hein? Ouais, j'arrive! Oui, tout à fait, je peux te faire remonter. On va faire même comme ça. Hop. Je vais te créer même un deuxième. Parce que là, tu ne vois rien, on est d'accord. Je vois Elirina et. Voilà. Mais fais-moi un deuxième token caméra avec juste une. Ouais, mais ça, c'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que je le fasse, mais. À l'occasion, tu me donnes un deuxième token caméra. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois le perso d'Elerina là? Non, je le voyais tout à l'heure, mais là maintenant je vois plus que Enza. Genre si je fais ça, tu vois Elerina? Tu vois ce que voit Elerina? Je vois Elerina. Ouais, mais parce que moi j'ai les deux bonhommes qui sont libérés à chaque fois. Ok. Je vais prendre Elerina. Genre là tu vois Laori et Iki et tout ça. Ouais. Ok. Et ben voilà. Voilà, regarde. Hop. Du coup, vous avez effectivement Laori qui s'avance. Oui. Ah. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore une statuelle de votre culte? Enfin, c'est pas une statue d'ailleurs, c'est une espèce de momification ou je ne sais trop quoi. Oui, bah c'est une représentation de Zone Cuton. Voilà. Depuis un cadavre? Oh, ça devait être un ancien prêtre. On devrait pas rester ici trop longtemps. Si vous voulez mon avis. Pourquoi? Parce que ça reste une salle de culte. Bon, il y a sûrement des choses qui traînent ici. Ouais. Bon.
On va check vite fait la porte en bas et puis on s'arrache. Enfin, on part. Si vous voulez. Ah non, pas de temps dans ce cas-là. Bah vas-y. Je peux pas, je suis en pause. Ah, c'est bon, c'est plus posé. My bad. Écoute, je... Au vu des... De ce que m'a dit Laurie, je vais ouvrir... Je vais essayer de le faire discrètement et puis sur la défensive, la porte. Escalier, okay. Des portes partout. Ouais, tu vois un escalier qui descend et une autre porte vers le sud. Tout le monde est encore là ? Je vois pas Iki et Kaito. Ah non, Kaito, il a pris les escaliers tout à l'heure là-bas, là, au nord. Attendez ! Je peux faire pas monter. Avant de vous voulez qu'on aille le chercher ou alors on va avec lui? Ouais, l'un ou l'autre, mais on va pas se séparer trop non plus. Bah, je sais pas où est-ce que ça va nous mener. Je vais voir. Ils suivent pas là derrière. Là, tu entends Iki, tu l'entends, il est en bas des escaliers. Ah, Iki. Bon, c'est pas vous que je voulais voir. Bah. Qu'est-ce que c'est encore que cet endroit? C'est bizarre, hein? C'est pas pire que ce qu'il y a en haut, hein. Ah bon? Ouais, on a vraiment tombé sur des trucs bizarres. C'est quoi, okay. Ce puits fumant, là? Alors, vous arrivez tous les deux dans une pièce. Vous voyez que le sol... le sel de cette chambre, de cette pièce, a une étrange texture organique, comme si vous étiez à moitié sur de la chair momifiée, noire, enfin, c'est un peu caoutchouteux, mousseux, enfin, je sais pas comment on pourrait dire. En tout cas, c'est assez perturbant, et le sol est du coup est strié de bandes comme si des inscriptions avaient été écrites en sang, et du coup vous avez comme des écrits partout sur le sol. Vous avez autour de vous, que vous voyez rapidement avec le scintillement du puits qui est en face de vous, quatre piliers qui semblent être sculptés pour ressembler à des artères ou des moelles épinières entrelacées qui soutiennent le plafond. Et puis vous avez des clous, des outils chirurgicaux qui sont enfoncés dans ces piliers à des endroits clés et à l'apparence un petit peu douloureux. Comme si oui, je peux même faire emmener tout le monde ici. Hop. Donc pareil, hein, ceux que je mets ici au nord ne voient rien. Enfin, ne voient rien, ne sont pas là. C'est juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble la salle. Et du coup, effectivement, à la base de l'escalier se trouve un escalier, se trouve un puits rempli d'une épaisse brume bleutée. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Sur cette description de salle, ma foi, fort sur ce cliffhanger. Exactement. Tout à fait. Et sur cette belle séparation d'équipe. Mamma mia. Bon, ah, c'est courage. Beau. Ouais, bah bon courage à vous pour cette semaine. Vous allez devoir réfléchir à ce qui va vous arriver. Et on vous dit à vous dire la semaine prochaine. Salut, salut. Salut. Ciao, à bientôt. Ciao, salut. Ciao. Sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et rajoute un pouce si tu as aimé la vidéo. Avec Twitch, viens nous voir en live. Sur Facebook, tu peux aimer notre page. Sur Twitter, suis-nous. Tous les liens sont dans la description. Allez, Minsk, on y va. Nous, on a encore du gobelin à dérouiller.